Pont de Barlia. Le lit de l'Oued est à sec, desséché parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivée d'eau et aussi parce que tout est pompé. À l'image de ce que l'on voit ici, un autre là-bas sur la gauche, on a vu d'autres plus haut. L'eau se raréfie, il y a de moins en moins d'eau, quelques petites mares se retrouvent ça et là. Et quelques poissons essaient de survivre. Certains ont été pris dans la vase et sont morts, on les voit. Il y en a quand même quelques-uns. Et d'autres sont dans l'eau, en train d'essayer de respirer. On le voit bien. C'est celui-là, l'autre là-bas. Donc on les voit en train d'essayer de survivre dans ce peu d'eau stagnante, donc non oxygénée, non aérée. On les voit, hein, ils font des efforts. Et elle s'assèche de plus en plus, cette mare. Dès qu'elle est complètement asséchée, ben, ces poissons qu'on vient de voir vont mourir, comme ceux qui sont là sur la bordure. Et on voit que le Oued s'est presque totalement asséché. C'est la conjugaison à la fois des pompages par les paysans, les agriculteurs, et puis le peu d'arrivée de l'amont. Voilà, vers l'aval, c'est totalement sec.